Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Rockstead Revolution avec le signe noir en tant que président du Bazenji. On était prêt à passer le tour, ce qu'on va faire. Prochain tour, je pense qu'on va claquer les faveurs de notre cher Nazaire qui nous a coûté cher hein, pour récupérer un petit peu de renseignements et peut-être un peu de sous. Je crois pas que ces points de faveur en ministère de la citoyenneté servent à grand chose pour l'instant, à part ça, donc on va les utiliser. Alors, votre excellence, nous avons appris que pendant 2 jours, les usines de traitement des eaux à Romaille ont arrêté de fonctionner. De nombreux citoyens vont tomber malades en buvant de l'eau contaminée. Alors, on peut partager la nouvelle avec le public et déclarer une urgence sanitaire, -5%. Accuser le Front de Libération, possible, mais pas tant que ça. On perd de l'approbation et plus 1 loyauté pour les militaires, mais on n'a aucun militaire pour l'instant. Ou alors, on cache la nouvelle pour ne pas créer la panique. C'est un peu de la merde, nos événements en ce moment. On peut pas vraiment se permettre de tenter un 10. Hein. Un moins 10 si on prend un 10. En même temps 5. Ah mais c'est que un Rumaï. Ouais, on tente un Rumaï. Ah, ok, ça passe, parfait. Alors, et là, on a atteint nos objectifs, ce qui est parfait. Du coup, on passe à Cordial avec eux. Le FLB est responsable du sabotage des usines de traitement des eaux. Et oui, vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça. Rumaï, c'est là, ok. Ouais, il va nous falloir un peu plus de sous pour investir. Et l'avantage de elle aussi, hein, c'est aussi un des intérêts de l'avoir mis là, c'est que ses faveurs, c'est parmi celles qui donnent le plus. 12 points de renseignement par faveur et 100 de thunes par faveur. Alors que lui, par exemple, on est sur 10 points de renseignement et 95. Et lui, 10 points de renseignement et 95. Il y en a des fois, c'est 5 points de renseignement, des fois 60, etc. Donc, on va prendre le renseignement et on va prendre la thune. Le renseignement, parce que instantanément on va entraîner un agent de renseignement qui va être capable de nous dire s'il y a un campement du FLB, a priori pour l'instant non. Donc on va l'envoyer en vadrouille faire le tour de la... Enfin du pays, hein, tout simplement. Et avec nos sous, on va pouvoir s'occuper de construire des routes. C'est parti. Hop là, voilà, on a construit une petite route ici, on va en profiter là, et vu qu'on a dépensé un point pour ça, on va faire la recherche de ressources ici, de la bauxite de nouveau, pas mal, donc là on va pas se précipiter à construire, hein. Mais là avec ce nouveau arrivage de pétrole, on va être tout à fait capable de commencer à exporter et donc de faire de la thune. Et il nous faudrait un champ supplémentaire. On va mettre, alors je vérifie, c'était bien 99 de fertilité, parfait. On va mettre juste là. Parce qu'on voit que là, la nourriture, on a déjà 86 de demande de nourriture, hein, ça augmente à chaque fois, vu plus il y a de population. Donc il n'y a plus tant de rab que ça. Il y a juste 41 de bouffe qui viennent ici fabriquer 20 de nourriture, qui est exportée, qui nous fait 8 de revenus du coup. Et là en plus, l'intérêt aussi de faire des champs et de virer l'ONU, hein. C'est que plus on fera de champs, l'ONU fournit de la nourriture gratuitement, mais également ne nous rapporte pas d'argent, alors qu'ici vous voyez qu'on a plus 2 de revenus par tour, grâce à notre seul champ. Et on va en profiter pour raser un petit truc supplémentaire. Voilà, donc là par contre il va falloir qu'on scanne, parce qu'on est passé du coup à 2 ici. Il faut qu'on fasse quand même un peu attention. L'état de droit est un petit peu tombé aussi, par contre la sécurité internationale, on est bien. Ok, on a terminé tous nos points, on va garder nos sous, on a cramé du renseignement. Lui, il est parti voir ce qu'il avait à faire, lui aussi. Ici, il va falloir qu'on commence à entraîner quelques troupes également. Même si pour l'instant, visiblement, il n'y a pas de FLB qui a envie d'apparaître. Après, il lui faut peut-être un petit peu de temps. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait dépenser une faveur du ministre de la Défense pour améliorer cette unité. On va le faire. On va essayer de détecter les camps. Ici, il y a des manifestations. Le peuple manifeste. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Les manifestations sont reportées, ok, ils ont dû faire la tronche, mais ils sont pas si mécontents. Ouais, ok, il y a un divertissement tout pourri dans le coin.
Alors, on va s'intéresser un petit peu au budget. Divertissement. Ah, ça bat. On va augmenter un petit peu le budget. Ici. Et éventuellement le budget de l'environnement là. On peut se permettre, hein, on a quand même un gain relativement notable. Alors pareil avec le ministre du développement, ça c'est les ressources naturelles. Ça c'est les ressources naturelles. Je sais plus ce qui monte le ministre du développement. Faut que je me souvienne, ça doit plutôt être les bâtiments de ce genre là peut-être. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de beau? Non, ça c'est les ressources naturelles aussi, c'est lui qui a énergie solaire et compagnie. Ce qui veut dire que ça va plutôt être là, je pense. Alors, on pourrait faire d'une pierre deux coups, hein, en construisant une réserve naturelle qui va augmenter. Donc c'est à Rumaille que ça gueule, enfin que ça gueule, que c'est le drame. Ça va faire à la fois du divertissement et de la et de l'environnement. Donc c'est parti, on construit ça. Et je me suis gouré de Provence bien sûr. Je me disais que c'était pas la bonne couleur. J'ai fait ça à Rumaille alors qu'il fallait le faire à Saba, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut même en faire un deuxième parce qu'on a du blé, donc on va pas se faire chier. En avant. Voilà, on passe à 3 et 5, c'est un peu mieux. Ah bah oui, c'est ça, toi t'as besoin de ça. Bon, on a cramé nos sous, mais on gagne pas mal d'argent, donc c'est pas si mal. Il nous reste un point. Est-ce que t'es à portée, toi? Oui, tu seras à portée. En avant. Et tu vas faire ta petite découverte. Et t'as découvert de la bauxite supplémentaire. Très bien. Tu vas pouvoir aller où après? Ah, les autres trucs à découvrir sont à l'autre bout du pays. Et ben, c'est parti. En avant. En avant, en avant, j'ai envie de dire. On passe le tour. Alors, on est passé à 39. Combien ça nous coûtera de faire une fonderie? Seulement 20. Seulement 20, j'ai envie de dire. On va faire une fonderie. On va produire de l'aluminium, donc on l'envoie nulle part, par contre on va pouvoir aller commencer à l'exporter. Par exemple, vous, vous nous aimez bien, est-ce que vous accepteriez de, par exemple, prendre 60 d'aluminium? Au hasard, au hasard. Et avec nos derniers sous, on va prendre une petite infanterie. Comme ça au moins on sera un peu couvert si jamais il y a des trucs qui pop, même si l'infanterie on ira pas loin, hein, faut pas se faire d'illusions. Ah, elle a détecté quelque chose par là-bas elle. Fonce. Et du coup bah notre infanterie qui vient d'envoyer dans le mauvais sens va foncer aussi. Donc les campements du FLB vont produire des unités régulièrement qui vont aller péter les bâtiments et faire des trucs assez désagréables. On dirait que Boniface est déjà la teuf. Ah oui, effectivement. C'est déjà 41% de... 56% de congestion. Il va falloir qu'on améliore ces petites routes. C'est parti. Donc on peut faire par portion avec les sous qu'on a. Allez, en avant. Ah merde, il me restait un point. Je pensais que ça améliorait la route, ça c'était utile, mais non. Faut que je fasse plus gaffe. Ah bah voilà, on les a vus là. La province de Rumaille demande des fonds supplémentaires pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales. Sans cela, la région aura du mal à se faire venir des docteurs. Surtout que les salaires ils sont bas et qu'il y a peu d'hôpitaux. Ouais, allez, on va claquer 30 pour Rumaille. On peut vu qu'on gardait l'argent pour leur améliorer leur hôpitaux. Voilà quoi. C'est bon. Le peuple manifeste, pourquoi vous manifestez? On s'est reporté. Alors ici visiblement, va falloir qu'on trace. En avant.
Donc on a vu l'unité fantôme là de... Ah, j'ai cliqué sur... non, c'est bon, il se déplace. Ok, on a découvert le camp et là on a des insurgés. Alors, il va nous falloir un petit mortier. Et on va même claquer un point pour se déplacer deux fois plus vite. Malheureusement, on est quand même trop loin. Toi, tu te déplaces. Donc on a trouvé le campement, c'est pas si mal. Toi, tu continues d'avancer vers ta zone du coup. C'est pas la teuf l'approbation. Hein. Ouais. Bon, au moins on gagne pas mal de sous, entre 40 et 70, ça veut dire qu'on peut se permettre d'améliorer un petit peu le budget d'environnement ici. Et on va également travailler sur la prospérité à Cariferumail, en avant. En avant. Ici, on produit 48 de nourriture par nous-mêmes. Non, on produit 110 de nourriture par nous-mêmes. Il y en a 48 qui est envoyé aux villes et le reste qui est envoyé là pour faire de l'argent. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On pourrait exporter plus, hein. Pour l'instant on perd beaucoup. Donc là normalement on peut augmenter un petit peu vu qu'ils nous aiment mieux. On va se permettre de claquer un point pour ça. Ça va clairement augmenter notre budget et on en a besoin. Alors, détruire le camp rebelle et construire un musée à Saba. On a 5 mois pour construire un musée. Combien coûte un musée? J'ai plus de points. On reviendra au prochain tour. Alors j'espère qu'ils vont pas directement détruire ça. Deux unités du FLB, d'accord. Votre Excellence, des rapports environnementaux indiquent que nos raffineries rejettent des sous-produits toxiques dans les rivières souterraines adjacentes. Les habitants des zones rurales voisines tombent malades. C'est inacceptable qu'elles ferment. On offre une compensation aux victimes et on les fait déménager. La raffinerie est essentielle pour tous les Bazenji. Ah ben, moi qui me demandais si elle allait pas être détruite, super. On va être obligé de claquer de l'argent. Et en plus on a quand même le truc, parce que si jamais c'était pas celle-là qui était détruite, bah c'était un peu la merde. Alors le roi, il veut qu'on devienne pote avec les Russes. On va dire oui. On va pas tout de suite s'en occuper, mais on va dire oui. Alors ici, on peut commencer à attaquer. Donc les mortiers sont très efficaces contre les unités d'infanterie, comment dire, contre les unités d'infanterie tout simplement, infanterie au sol. Est-ce que t'es assez proche pour attaquer? Non, malheureusement même avec le boost de mouvement il est pas assez proche. Ça fait un petit peu mal par où ça passe. Le budget, on l'a bien augmenté là. Oui, on l'a augmenté, hein. Et pourtant on est toujours qu'à 2. Hein, de... Puis à force de claquer des sous dans nos événements, ça fait un petit peu mal. Yes. Toi, ma chère, trace ta route. On exporte 60 d'aluminium, c'est pas si mal. 40 de pétrole également, et du coup 40 de bouffe, ça va nous permettre de booster l'économie. Par contre les gens sont pas contents, hein. 25% d'approbation, ça fait un petit peu mal aux fesses. Après on a construit pas mal de choses ici, donc l'environnement s'est cassé la gueule. Entre les mines, les usines et la fonderie et l'usine de plastique. La zone est très grande, donc du coup, forcément, ça joue. Est-ce qu'on aurait moyen de faire des trucs? On pourrait mettre une petite sécurité sociale un peu plus efficace ici. Ça va monter un petit peu l'approbation. Éducation limitée, ouais. Priorité aux voitures, ça en garde. On a bientôt fini ici. Inspection des véhicules. État de droit, approbation des libéraux. On pourrait passer en respect des lois. On va perdre du renseignement.
Après là voilà, on a joué hein, avec les carifis, forcément les gens qui ne sont pas carifis font la gueule, on le voit hein. 40% d'approbation à Carif dans les autres provinces, c'est un peu le drame. Mais 25% quand même, ça fait mal là. Ça fait très très mal, il va falloir qu'on s'en occupe. Et on a besoin de construire un musée qui coûte 40, et il faudrait qu'on fasse un jardin public dans l'idéal qui coûte 20. On est censé gagner 60 par tour, hein, si on n'a pas d'événements pourris. Il y a quand même moyen qu'on fasse des trucs. Mais pour ça, faut pas d'événements pourris, bien sûr. Ambassade des États-Unis, on s'en fout un peu pour l'instant. Ça, c'est les ressources naturelles. Ça aussi, le ministre des ressources naturelles, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'il peut faire. Tiens, ça fait baisser l'approbation, ça, ça pourrait être une idée. On pourrait détruire ce truc. On a suffisamment de nourriture et ça va peut-être faire remonter un petit peu l'approbation dans le coin. Ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, la congestion de la route, bah, on n'y peut pas grand-chose pour l'instant. Il nous faudra des sous pour ça. On va peut-être utiliser 95. Ouh, la saloté qui se casse la gueule, lui. C'est pas cool. Pourquoi ils sont pas contents? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes pas contents? J'ai dû faire... quand j'ai changé la politique, là, il a pas dû apprécier, lui. Allez, on va utiliser sa faveur pour ça, tant pis pour l'hôpital pour l'instant, mais il faut qu'on puisse investir, là. Donc on va construire un petit jardin public, ici. Voilà, on augmente un petit peu. Et il nous faut également un musée. Alors, c'était où qui voulait son musée? À Sabah, on va essayer de pas se gourer, c'est là. Allez, un musée. Parce que l'intérêt, c'est que quand il va être content, voilà, ça va instantanément débloquer sa politique. Et en plus, ça donne une faveur. Et en plus, il nous aime mieux. Donc notre infanterie gagne plus 1 de vision. Utilise l'infanterie au niveau 2 et 3, inflige plus 1 de dégâts contre les ennemis blindés. Grâce à un service militaire universel, le peuple aura l'honneur de prendre la responsabilité de ce qu'est un être, de ce qu'est... Oula. Aura l'honneur d'apprendre la responsabilité de ce qu'est être un citoyen du Basenji. C'est à nous débloquer ce truc-là. On peut pas voir ce que ça fait malheureusement parce qu'on a plus de points. Agent dormant, non. Je pense qu'on va partir sur la pension des vétérans. Très bonne idée, vas-y, go. Alors lui continue de se déplacer. Donc là on va se prendre des petits tirs hein, probablement. Allez, elle avance un petit peu. Bon, on se défend, c'est la bonne nouvelle. Merde, là par contre on se défend pas. Excellency. Allez, finissez-les. S'il vous plaît. Excellency. Excellency. Ah, on peut prendre un petit niveau. Ça pourrait être pas mal. On va prendre le petit niveau. Excellency. Et s'il vous plaît, Excellency, vous me tirez dessus. Allô? Excellency, on our way. Voilà, merci. Excellency, voilà, on devrait être capable. On peut tirer une deuxième fois par tour? Excellency. Je suis pas convaincu. Excellency. Non, on est d'accord, tu peux pas. On our way. Excellency, on our way. Non, deuxième tour. Alors ici, on a trouvé la surveillance, on a débloqué la surveillance, on va la prendre. Direct. Ensuite,
Ensuite, appel d'offres, hein, pourquoi pas, politique de confidentialité, programme de nutrition, ça pourrait être pas mal, parce que la santé c'est quand même pas la teuf. Échange de seringues, non, santé sans frontières, non, eau potable pour tout, ça c'est pas mal aussi. Déréguler les taxis, des bus écolos, plus de limitation de vitesse, allez, plus de limitation de vitesse, j'aime bien la description. Un système autoroutier à l'allemande sans limitation de vitesse, associé au talent de pilote des conducteurs bassengiens, ça ne peut que bien se passer. Alors, inspection des véhicules, c'est parti, bim, inspection des véhicules, on va l'activer tout de suite, ça va baisser encore un petit peu le divertissement, mais c'est pas grave. Maintenant, il nous faudrait quelque chose... relation avec la Chine, open réservoir, marché du carbone... Alors, exploitation minière intensive. Pourquoi pas. Dérégulation de la pêche, plus d'emplois, moins d'environnement, moins de leadership environnemental. Non, on va partir sur les panneaux solaires. Et la citoyenneté, on a débloqué la carte d'identité pour les Carifi. On va le faire parce que ça va remonter un petit peu l'approbation de tout le monde. Alors là, ils vont vraiment gueuler si on fait ça tout dans la foulée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réviser l'hymne. Nous sommes en guerre, la première nation au monde a célébré la violence de notre histoire dans un hymne national, mais nous avons ici l'occasion d'élaborer un meilleur récit. Ok, parade militaire. Ça augmente l'approbation pour deux par tour. Le peuple célèbre les troupes qui marchent fièrement dans les rues de Majimara. Ok. Un jour saint, tous les commerces et les bâtiments publics sont fermés pour une journée consacrée à la prière. Bouf. Ou alors statues à foison, des statues à votre image sont installées à chaque coin de rue. Non. Sécurité dans les aéroports. Les citoyens doivent se dénuder et chanter de mémoire les 24 couplets de l'hymne national devant une caméra à rayon X avant de pouvoir embarquer. Ah oui. Carrément quoi. Interdiction du vote des immigrés. Cela rejetterait l'approbation des étrangers, mais vous ne vous soutiez évidemment pas de ce qu'ils pensent. Putain, y a... ce qui est fun avec ce jeu, c'est que les rhétoriques dedans, enfin, c'est de tout, hein, pour les écolos, pour les extrémistes et tout, mais y a des... c'est tellement les trucs qu'on entend, quoi. Test de citoyenneté, droit du sol, ça pourrait être pas mal, ou des visas. Visas touristiques. Ouais, on va prendre des visas touristiques. Non, elle veut pas. Très mauvaise idée, elle veut pas. Ça, par contre, elle veut bien. Visa de travail, allez, c'est parti. On est parti pour les visas de travail. Et vu qu'on a des points, on va probablement spécialiser le combat contre l'infanterie et les tanks. On va se faire un petit hélicoptère. Parce que normalement il a assez de mouvement en plus pour venir s'occuper de ça dès ce tour-là. En avant. Bim! Les insurgés, c'est cadeau. Et on va avancer d'une case parce qu'il faut encore qu'on aille s'occuper du camp avant qu'il nous pop d'autres saloperies dans la tronche. Hein. L'agente de renseignement, pour l'instant, elle a rien vu d'autre. On va la mettre au centre. Il va falloir qu'on utilise nos sous pour améliorer un petit peu ces tronçons routiers. Alors ça va nous coûter de l'argent parce qu'il y a des grands tronçons. Mais on a une grosse congestion du trafic, donc... Alors améliorer les routes, c'est pas forcément le seul moyen, on pourrait faire un trajet alternatif. Hein. Mais c'est pas toujours facile à gérer non plus. Ici, il y a un petit bout qu'on n'a pas fait, voilà. Là, par exemple, on pourrait se dire, on va directement ici, ça libérerait ceux qui vont ici ou ceux qui vont là. Mais bon, c'est pas forcément trivial non plus. Ici, c'est une toute petite route pourrie. Elle est déjà à 19%. On va l'améliorer. Sachant que plus les gens vont vite, plus ils rapportent de l'argent, forcément. Hein. Enfin, comment... Si le réseau routier est bon et efficace, l'importation va avec, bien sûr. On peut voir normalement la congestion. Ouais. La congestion, clairement, c'est là. Hein. La route centrale au pays, ici, là. Peut-être falloir qu'on investisse, peut-être genre faire des trucs, des routes qui passent par là, mais il y a des ponts, ça va être hyper cher. C'est vrai qu'avec une grosse province capitale comme ça, la route du milieu est sacrément énervée quoi.
Bon, il nous reste 2 points pour ce tour. Comment ça se passe ici? On produit, on commence à envoyer quasiment toute notre bouffe. On n'a plus assez de nourriture. Hein. On peut pas se passer des camps de l'ONU pour l'instant, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse plus de champs. On va gagner entre 31 et 57, donc je pense que notre prochain truc sera de faire des champs. Là, son niveau construction, on n'a plus de sous. On pourra changer un petit peu le budget. La prospérité ici, c'est un peu le drame, mais on est déjà en train de travailler dessus. C'est exponentiel, hein, le coût du budget, donc plus on augmente, plus c'est cher. On pourra travailler un peu sur le tourisme, ça augmentera la prospérité aussi. Allez, c'est parti. On va faire ça. Et toi, pour la peine, on va doubler ton mouvement. Oula, petit lag. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est bon. En avant. On va attendre qu'il se déplace, mais on va passer le tour. Votre Excellence, je dois vous rappeler que le mois prochain marquera le 5e anniversaire de la Révolution. On attend de vous, bien entendu, que vous fassiez une déclaration. Y a-t-il d'autres événements que vous voulez organiser pour ce jour historique? Organiser un festival de musique pour célébrer notre indépendance, mais il nous faudra un stade. Dommage. Organiser une parade militaire pour célébrer notre victoire. Probable plus 1 de divertissement. Possible plus 4% d'approbation des conservateurs. Ça nous coûterait 10. Ou alors on fait un jour national de deuil, ce qui donnerait de la loyauté aux militaires. On va se permettre d'investir 10. On a au moins eu le divertissement. C'est toujours ça de prix. Voilà, ça s'équilibre un petit peu. Alors, ça y est, on a nos premiers citoyens qui réclament de la nourriture industrielle. Raison de plus pour faire des champs. Un champ c'est 30, on a pile poil ce qu'il faut. Alors, il faut l'optimiser un peu. Ici c'est 99, ici c'est 90, 99, 90. Pas vraiment d'endroit où... On aurait ici, je pense que si on met ici, on n'aurait peut-être pas à construire une route, on va voir. Ouais, c'est bon, il n'y a pas besoin de route. Parfait, parce qu'on est à pile poil zéro. Hein. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut, petit à petit, on va avancer là, et on va pouvoir éventuellement faire une route qui va pouvoir contourner à terme. Alors, ici, est-ce qu'ils nous ont popé des nouvelles unités, ces cons? Donc direct non, par contre on est trop loin pour attaquer. Donc on va se permettre de claquer un point. Allez les gars. Des fois ça bug un petit peu quand on leur a donné des ordres autour d'avant. Allez en avant. Voilà, bim. Un campement de détruit. Donc ça les gens vont aimer hein. Ça vous voyez qu'il y a tous les petits +1, +1, +1 qui montent partout. C'est très très cool. Alors on va pouvoir commencer à dispatcher un peu nos troupes pour qu'elles soient au taquet. On va envoyer eux là-bas. Vous, vous allez revenir ici pour défendre la capitale en cas de besoin. Pour l'instant de toute façon on n'a pas des masses d'unités. On n'a plus du tout de sous. C'est un peu le drame. Toi tu serais pas sur site? Si, t'es sur site, parfait. Allez hop, bim. Du pétrole, pourquoi pas. Et on peut faire le deuxième. Encore du pétrole. Bah, ok, très bien. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on a le nouveau bouton. Prospecter de nouvelles ressources, ça coûte 100. Et on trouve un nouveau gisement de ressources quelque part. Tous les 9 mois, on peut le faire. Et grâce à notre niveau 3, quand on fera ça, on aura des chances de trouver une ressource qui n'existe pas au Basenji. Parce que sinon on ne peut trouver que des ressources. C'est toujours une ressource qu'on n'a pas en fait. Ici vous voyez que c'est l'or, on n'a pas d'or, on n'a que de la bauxite. Donc avec un peu de bol, on pourra retrouver des ressources utiles. Avec un peu de bol. Allez c'est parti, on passe le tour.
On est en dèche. Oula, qu'est-ce qui se passe? L'agence de recherche scientifique du Basenji vous demande des directives concernant la direction que leurs recherches doivent prendre. Alors, la recherche orbitale inspirera une nouvelle génération, des satellites militaires. Des recherches sur la fusion pourraient sauver notre planète. Des recherches sur les matériaux pourraient nous aider à créer de nouvelles industries. La recherche sur l'intelligence artificielle pour améliorer la vie du peuple. Ou alors on réduit le budget pour nous concentrer sur des problèmes plus importants. Je pense qu'on va prendre la prospérité, parce que la prospérité, c'était que possible, hein, mais on a réussi à l'avoir. Des nouveaux matériaux. Plus de prospérité, c'est plus d'argent. Le bien-être de vos citoyens conservateurs est un sujet qui nous concerne. Nous implorons d'améliorer leur approbation. Non, on a autre chose à foutre, là. Bien désolé, mais vu l'approbation, nous aurait sûrement demandé de monter à 50, un truc du genre. Clairement, on a mieux à faire. Alors, toi, tu te replies par là-bas, on est d'accord. Toi, tu vas là-bas, ok. On va pas recruter de nouvelles unités ce tour-là, on va faire un autre champ. Dans ce petit carré-là. Par contre, là, ouais, ouais. Pas être relié à une route, il va falloir qu'on fasse la route nous-mêmes. Voilà. Ici il y a toujours une congestion. Hein. Ici on est passé à 12% avec nos nouvelles routes. Par contre là c'est toujours 44 et ça coûte une blinde parce que le secteur est très grand. Il y a également ici on pourra améliorer. Bon, on va déjà s'occuper de celui-là. Alors toi, tu vas revenir ici. J'aime bien le garder près de la capitale, comme ça je le retrouve. On a encore un peu de temps hein, pour les Russes. 5 hein. Mois, ouais, il y a du temps, ça va. Donc on ne peut améliorer les relations qu'avec... enfin au maximum j'entends. Si vous améliorez les relations avec un des trucs, vous êtes obligé d'en sacrifier en fait. Je m'explique, parce que je suis pas clair. Vous ne pouvez avancer qu'avec deux... deux nations influentes. Donc là a priori on va partir sur l'USA et la Russie, donc la Chine va nous détester. Et à terme, elle peut éventuellement booster les unités du FLB, voire pousser un pays étranger à nous attaquer. Donc faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait quand même. Hein. Avec 10 on peut rien faire, c'est pas grave. Pour l'instant... C'est pas si mal. On exporte combien là? On fabrique 60 avec 64 de bauxite, donc je pense qu'on est plutôt bien. Le pétrole, on en exporte plus que 36, donc il va nous en falloir un peu plus. Ici, le revenu augmente et ça va continuer d'augmenter avec les champs. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il nous reste 2 points. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Prospérité, éducation, environnement. Là c'est en train de monter, ici ça descend, le divertissement diminue à Saba, il était déjà pas haut. Parti alignement, le parti nationaliste du Basenji est perçu comme conservateur séculier concentré sur la campagne indépendant. Et le FLB est perçu comme un groupe extrémiste, ça faut faire gaffe parce qu'il peut très bien à un moment devenir un groupe apprécié du peuple, et en général c'est le moment où ça sent le pâté. Petite chute, ça va, au niveau du touriste, on a que dalle, et en plus on a un score d'état de droit bas. Faudra qu'on essaye de faire un hôtel, dès qu'on aura les moyens. On pourra faire un nouvel agent de renseignement, mais ça nous sert à que dalle. Ici on exporte tout ce qu'on peut. Ici on est à 40, on pourrait faire plus. Hein. Je pense. Ah non, on est à 40, c'est le maximum. Non, c'est con... Ici on était très content avec eux, mais vu qu'on a refusé, ils sont pas contents, on a refusé leur demande. Ce qui veut dire que là on est à 60, mais réellement on devrait être à moins. Et ben, je sais pas trop quoi faire de mes points supplémentaires, donc pour l'instant, on va déplacer nos troupes
et déplacer notre agent du renseignement également. Pour qu'éventuellement il trouve des choses. C'est ici la connexion, c'est juste à côté de la ville la connexion. Et du coup, bah, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Et bah, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.